commence à rendre grâce au Seigneur et à te connecter en esprit avec nous. Connecte ton téléphone, connecte ta famille, connecte ta maison. Je ne sais pas si c'est que. Oh, sois béni, Seigneur, pour ces temps. Sois magnifié, éternel Dieu tout-puissant, pour ces moments. Seigneur, regarde ce que l'Église est en train de vivre, Seigneur, dans notre nation. Seigneur, regarde cette génération qui a besoin de toi, Seigneur. Ce n'est pas en multipliant les mots, Seigneur, que tu viendras te manifester. Mais nous voulons simplement que ce matin, oh, toute la gloire te soit rendue. Nous voulons que, Seigneur, ce matin, nos cœurs puissent t'élever, Seigneur. Et quel que soit ce qui peut arriver à nos vies, Seigneur, nous voulons te bénir, Père. Nous voulons te rendre grâce. Glorifier ton Saint-Nom, ô Seigneur, est ce qu'il nous reste à faire, Seigneur. Magnifier ton Saint-Nom, ô Adonai, est ce qu'il nous reste à faire. Il y a un processus qui commence dans cette nation. Nous ne voulons pas que ça soit sans toi. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie ce matin, Père. Merci, Seigneur, pour la santé ce matin. La parole déclare que nous devons te rendre grâce en tout temps et en tout moment, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce ce matin. Oui, merci Seigneur pour les bien-aimés frères et sœurs que tu me donnes. Merci Seigneur pour le pasteur Besti. Merci Seigneur pour le diacre, Seigneur, maman Sissi. Merci Seigneur pour l'évangéliste Osée Blanchard. Merci Seigneur pour le prophète Paul Élisée. Sois béni Seigneur. Sois glorifié pour tous les frères et sœurs que tu me donnes. Béni sois-tu Seigneur pour maman Juliana. Béni sois-tu Seigneur pour maman Nicole. Béni sois-tu Seigneur, ô éternel mon Dieu, mon roi, pour maman Marlène. Béni sois-tu éternel Dieu pour maman Yasmine. Père, ce matin, oh, quelqu'un qui me suit est en train de prier et bénir aussi un de ses amis, bénir aussi un de ses frères, Seigneur, une de ses sœurs, parce que ce matin, nous déclarons que c'est un culte de bénédiction. Parce que ce matin, Seigneur, je te bénis pour la puissance, oh Seigneur, et le brisement que tu déverses dans la vie de ma sœur, Seigneur, oh Mengo, éternel Dieu. Je te bénis, éternel Dieu Tout-Puissant, pour l'onction que tu déverses, pour le manteau, ô Seigneur, que tu libères du discernement dans la vie de mon frère, le révérend. Sois magnifié, Seigneur, ce matin. Sois béni, ô Père, pour un internaute qui est très connecté à MPR, qui suit ce culte de bénédiction, parce que la bénédiction va déclencher dans sa maison, parmi ses enfants, parmi ses frères. Ô, sois béni, Seigneur, ce matin. Nous sommes là pour te glorifier, Seigneur. Nous sommes là pour te bénir, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là pour te magnifier, oh, te célébrer. Oh, alléluia. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je sais que beaucoup sont très connectés à ce qui se passe en ce moment dans les rues de Libreville. Et nous sommes à la chambre haute. Mais n'ayez pas peur, car la Bible nous dit, prends courage et fortifie-toi. N'ayez pas peur. Priez avec nous. Ceux qui n'ont pas pu se déplacer, aller à l'église pour marcher avec les autres. Ceux qui n'ont pas pu se déplacer, soyez connectés et priez avec nous. Connectez-vous à la chambre haute. Partagez. Partagez même aux bien-aimés qui sont en train de faire la marche, afin que l'onction de ce moment, de ce culte, puisse les impacter là où ils sont. Partagez à 5, à 6, à 7, à 8 et même à 10 frères. Partagez. Partagez à une sœur, partagez à un oncle, partagez à une tante. Partagez. Partagez à un groupe d'achat, un groupe de conseils, un groupe de famille via WhatsApp ou Facebook. Partagez. Parce que c'est tant que nous vivons dans cette nation, bien-aimés. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Il y a quelque chose que Dieu va faire. C'est pour ça que ce matin, je vais appeler une femme. Une femme qui va prier avec nous.
une femme qui va prier avec toi. Cette femme va venir dégager quelque chose de spécial ce matin. Elle va venir te donner l'énergie céleste, ce que tu appelles onction. L'énergie céleste qui va te donner la force d'être debout. Bien-aimé, sois connecté. Je reçois ma soeur, le pasteur Besti, qui va prier avec toi. Shalom, shalom. Sois béni, mon frère. Sois béni. Maintenant, je t'invite à monter à un autre niveau dans la prière. Parce que la Bible nous parle de beaucoup de situations. La Bible nous parle de cette situation. Et maintenant, nous allons le vivre. Nous allons le vivre. Et pour cela, la Bible nous dit que il y avait des personnes qui étaient dans le secret. Le Seigneur avait réservé 7000 personnes qui étaient dans le secret. Ils n'étaient pas juste des hommes de Dieu chez quelque part. Ils se sont levés, c'est-à-dire le Seigneur avait réservé cela dans le secret. Ces personnes pour la prière. C'est pour cela que frères et sœurs, je t'invite maintenant, parce que tu es cette personne que le Seigneur a réservée pour te lever en ces temps. Lève-toi avec moi. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour le discernement. Le discernement, parce que si tu ne discernes pas, tu ne vas pas comprendre les temps. Maintenant, tu pries avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, aussi vrai que tu es celui qui a ouvert les yeux du serviteur d'Élie. Seigneur, ouvre mes yeux. Que la situation ne me fasse pas peur. Mais Seigneur, ouvre mes yeux. Afin que je puisse voir l'armée céleste qui est là pour nous défendre. N'aie pas peur de la situation. Lève-toi. Ne te tais pas, mais lève-toi dans la prière. Oh, je t'invite maintenant. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'en prie, papa. Ouvre les yeux de mes frères et sœurs. Ouvre les yeux de mes frères et sœurs. Seigneur mon Dieu, qui ne s'apitoie pas, qui ne tremble pas, mais au contraire, qui se lève dans la prière. C'est le temps de la prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, en Égypte, oh Seigneur, les personnes qui étaient dans les maisons, les personnes qui étaient dans les maisons, qui avaient le sceau, qui avaient le sang de l'agneau au niveau de l'étau, ils ne se sont pas tués dans les maisons. Ils ne se sont pas tués. Ils ont continué dans la prière. Ils se sont levés dans la prière. Oh Seigneur, impacte la population gabonaise. Que nous ne puissions pas, Seigneur mon Dieu, nous taire. Mais même dans nos cuisines, que nous puissions intercéder. Même lorsqu'on va aux toilettes, on est en intercession. On est en intercession, Seigneur. Père éternel, afin que tu te manifestes avec puissance. Afin que tu te manifestes avec puissance. Afin que tes enfants sachent que tu es l'éternel Dieu des armées. Yes. Tu es celui à qui appartient le Gabon. Yes. Tu es celui qui appartient toute vie. Ah Yahweh Dieu, mon frère, maintenant je t'invite encore à un autre sujet. Pas n'importe quel sujet. Tu vas prier, Saint-Esprit impacte mon cœur. Saint-Esprit impacte mon cœur. Parce que le Seigneur est parti. Mais il a dit qu'il nous envoie le Consolateur. Ce Consolateur-là, il est venu pour nous enseigner. Il est venu pour nous consoler. Il est venu pour nous éclairer. Tu vas dire ceci, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse impacter mon cœur, impacter ma conscience, impacter mon être, impacter mon esprit, impacter mon âme, afin que je sois manipulable par toi, Jésus. Afin que, Père éternel, je me laisse guider par toi, que je me laisse conduire par toi, que je ne regarde ni les temps ni les circonstances, mais Seigneur mon Dieu, que je regarde à toi, parce que tu es celui maintenant qui règne. C'est toi qui es au contrôle, Jésus. C'est en toi qui es au contrôle. Il n'y a aucune situation qui est au-delà de toi. Maintenant, frère, prie pour la paix de ton pays. Prie pour la paix de ton pays. Lève-toi pour la paix dans ton pays. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis de ce que tu m'as fait gabonaise. Merci, je te bénis, Seigneur, de ce que je sois gabonaise. Merci pour mon pays, le Gabon. Merci, Seigneur, que toi seul, Seigneur, tu règnes. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu règnes, il y a la paix. Pas la paix selon le monde, mais la paix selon toi. Seigneur mon Dieu, Père éternel, que toutes les personnes qui te craignent en esprit et en vérité soient remplies, Seigneur, de ta paix. Seigneur mon Dieu, dans les marchés, ta paix. Dans, Père éternel, les écoles, ta paix. Dans les rues, ta paix. Oh Seigneur, nous prions aussi, Père éternel, pour les militaires, les policiers, tous ceux qu'on envoyait dans les rues. Seigneur mon Dieu, que toi seul, Papa, tu les impactes et qu'ils soient remplis de ta paix.
de ta sagesse et de ton discernement. Merci Seigneur, que ce ne soit pas seulement les militaires et les policiers, mais que tu envoies aussi tes anges, oh Yahweh Dieu, qui vont se mélanger. Ils ne vont rien comprendre, mais Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui est au-dessus de toute chose. Tu dis dans la parole, dans ta parole, tu dis tu es l'éternel Dieu des armées. Sois béni Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom parce que tout est fait. Sois béni, frères et sœurs. Shalom. Alléluia. Alléluia. Là où tu es chez toi, tu peux commencer à partager. J'espère que tu es connecté, que tu as senti toi-même depuis chez toi que c'est un culte spécial. Toi-même, tu as pu ressentir la présence de l'Esprit pendant que ma sœur priait. J'espère que tu as écouté. Partage à quelqu'un. Donne l'occasion à un frère d'être connecté à ce message. Partage à quelqu'un. Partage à quelqu'un. Écoute, ce matin, je vais te dire. Ce qui arrive dans cette nation annonce un temps. C'est le temps d'Élie. Ça annonce le temps d'Élie. Tu vas prier depuis chez toi. Tu vas dire, Seigneur, qui est notre Élie? Tu vas dire, Seigneur, envoie Élie de cette nation. Parce que ce qui nous empêche de prier, ils le font parce qu'ils croient à leur gourou. Parce qu'ils croient à les rites qui disent à ces hommes que laissez ça, voici. Et des hommes disent même que prier n'est pas une nécessité. Parce qu'ils ne croient pas au Dieu que toi tu pries. Parce qu'ils ne croient pas à notre Dieu. Mais je vais te dire quelque chose. Le temps d'Élie, c'est le temps où on ne parle plus. C'est le temps où on démontre la puissance de Dieu. Le temps d'Élie, c'est le temps où Élie va proclamer qu'il n'y aurait pas ceci dans Israël. C'est le temps où un homme de Dieu va venir et dire que je suis Élie de cette nation. Voici ce qui va se passer dans cette nation. Pendant tel nombre de jours, il n'y aurait pas ça. Mais il y a un homme de Dieu dans cette nation qui peut déclarer les choses se passent. Il y a Élie quelque part dans cette nation. Ce n'est pas le temps de faire des belles prédications. C'est le temps de démontrer la puissance. Yes. Ceux qui sont en train de marcher, ceux qui sont en train de prier, ne le font pas pour rien. Parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui peut manifester sa puissance. C'est ton Dieu. Bien-aimé, c'est ton Dieu. C'est le Dieu que tu pries qui peut susciter Élie dans cette nation. Élève ta voix avec moi, crie, Seigneur, où est Élie de cette nation? Seigneur, où est l'Élie 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 de cette nation? Bien-aimés, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les révérends, ils sont 7000 à la chambre haute en train d'intercéder pour cette nation. Mais il y a Élie, et il viendra seul face à tous ces hommes. Et il dira ce que pense l'Éternel de cette situation. M'a réséquité les bras. Commence à partager encore pendant que j'invite ma soeur, maman Sissi, elle qui va encore te conduire dans une dimension spéciale ce matin. Oh, Shabarahou. Oh, yes, alléluia. Shalom, shalom, Dieu de Dieu. Vous savez, nous sommes dans des temps compliqués. Ce matin, je ne vais pas prier. Je ne vais pas présenter ces moments en prière, mais je vais présenter ces moments en adoration. Je vais présenter ces moments en adoration. Toi qui me regardes, adorons le Seigneur. Je vais inviter la sœur Herméline, ma compagne, pour cette adoration. Nous te présentons ces moments, Seigneur. Nous te présentons ces moments, Seigneur. Nous te présentons. Nous te présentons. Oh,
j'entends le Gabon. Seigneur, mon frère, ma soeur, tu peux continuer à partager. Ce sont des moments différents. Tu peux commencer à partager. Il y a quelque chose ce matin dans cette nation. Il y a un ciel dégagé ce matin dans cette nation. La Bible dit que lorsqu'elle a prié, le feu est descendu. La Bible ne dit pas le feu qu'on a dit, le feu à la bouche. La Bible dit le feu est descendu. Bien-aimé, appelle. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, Élie de cette nation. Élie de cette nation. Marabacho que te lebro. Labracacho que te lebro. Bien-aimé, je veux appeler quelqu'un ici ce matin qui va venir parler de ce que pense le Seigneur. J'appelle mon père, le prophète Élisée de ma génération. Élisée de ma génération. Amen. Est-ce que tu peux t'élever en acclamant le Seigneur depuis chez toi? Géolocalisation au Gabon. Alléluia. Amen. Voilà, Libreville. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, papa. Alors, bien-aimés, je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a permis d'être très volontaires spirituellement à tous les niveaux. Et nous bénissons l'Éternel qu'il y a quand même quelqu'un qui nous a appelé pour nous faire un témoignage selon les finances et selon aussi le fait que on a critiqué sa posture, on a critiqué sa façon de prier, on a critiqué sa façon d'établir certaines choses. Et j'étais tellement content parce que il y a des personnes comme ça, lorsque Dieu te bénit et nous avons comme le coutumier, nous cacher de la bénédiction de Dieu. Mais par la grâce de l'Éternel, ceux qui sont connectés au ministère prophétique de la repentance ont manifesté vraiment cette consigne spirituelle et ça a bien fonctionné. Alléluia. Amen. Donc vraiment je suis dans la joie, vraiment je suis très content. Je suis très content pour chaque personne ici présente. Je suis content pour toi qui es connecté sur cette page Ministère prophétique de la repentance. Alors je vous invite déjà à appeler un frère et une sœur à pouvoir être connectés parce que nous allons rapidement manger ce repas. C'est un repas assez compliqué. Et je ne crois pas qu'il y aura du jus dans ce repas, parce que l'heure n'est pas au jus, l'heure est à manger d'abord. Parce que nous constatons que toi qui me regardes, ta vie est tellement vide. Il est mieux d'avoir le repas dans le ventre et de pouvoir jouir de la substance physique
Donc, par le canal des enzymes appelées cracha, tu vas faire le mélange là, ça va compenser le jus. Alléluia. Amen. Voilà, parce que ce qui se passe là, il faut rester très, très connecté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons encore une fois de plus. Veuillez vous asseoir. Nous vous bénissons une fois de plus parce que, vous savez, nous sommes en train de traverser des temps prophétiques dans la nation gabonaise. C'est tellement prophétique et nous sommes tellement heureux de voir ce qui se passe à l'intérieur. Nous sommes tellement contents de voir ce qui se passe vraiment en territoire gabonais. C'est la preuve que Dieu est debout. Alléluia. Amen. Nous avons vu certains hommes de Dieu en train de poser des actes prophétiques hier, dans les carrefours, tout ça là. Vraiment, j'ai tellement béni l'Éternel parce que je suis l'aîné de ces hommes. Alléluia. Amen. Aussi vrai, ils sont archevêques, bishops, tout ça, c'est pas grave. Alléluia. Nous respectons leur âge, nous respectons leur ministère, mais je suis leur aîné parce que je l'ai fait avant. Alléluia. Amen. Amen. Tout était déjà travaillé. Ils n'ont fait que suivre en principe l'action de l'aîné. Alléluia. Amen. Donc nous bénissons l'Éternel pour cela. Ceux qui m'ont connu, ceux qui étaient là ce jour, ont pu constater que ce n'était pas nouveau pour eux. Alléluia. Amen. Comme nous avons toujours pour coutume de dire, nous sommes la tête. Ce n'est pas à cacher. Et c'est une vérité. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Alors, comme exhortation, je voudrais vous dire que j'aime cette phrase où on dit tout finit toujours par se découvrir. J'adore cette phrase qui finit toujours par découvrir la face cachée des gens. Alléluia. Alors, quelle est la face cachée de la personne qui t'a menti, qui t'a trahi? Quand tu l'as découvert, quel était ton point de vue? Est-ce que tu as manifesté la colère? Est-ce que tu as manifesté vraiment le mépris? Est-ce que tu as manifesté le désaveu d'amour? Est-ce que tu as manifesté la haine? Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, tu as prié. Dieu t'a livré la personne qui te blessait. Est-ce aussi tes sentiments? Est-ce ton amour? Est-ce aussi ton manque d'assiduité à la parole de Dieu? Alléluia. Donc vraiment, il faut rendre grâce à Dieu. Et l'autre aussi, c'est notre malheur est que nous vivons avec des gens qui pensent que Dieu n'a guidé que Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens comme ça qui pensent que le malheur arrive pour des gens qui pensent que Dieu n'a guidé que même. Non. Alléluia. Il ne faut pas être assujetti à quelqu'un. Il faut rester connecté à la personne. Et quand vous sentez que ce n'est plus bon, rentrez dans l'intercession. Alléluia. Rentrez dans l'intercession. Rentrez dans l'intercession. Priez pour la personne. À lieu de critiquer, parce que Dieu va te frapper, toi qui vas critiquer. Alléluia. Quand quelqu'un s'éloigne de toi, laisse-le partir. Ton avenir ne dépend pas des gens qui te quittent. Cela ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes. C'est tout simplement que leur part dans ton histoire est terminée. Alléluia. Alléluia. Leur part dans ton histoire est terminée. Quand quelqu'un part, ne faut pas pleurer. Alléluia. Amen. Ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Rentre dans la dimension. Rentre dans la dimension de la prière. Rentre dans la dimension de la prière. Priez, 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 priez. Ne vous lamentez plus. Ne restez plus abattu. Oh, vraiment, tel est parti. Depuis qu'il est parti, mon cœur est triste. Je veux faire comment? Les enfants, moi-même, je veux manger comment? Non, 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 non. Tu es en train de pécher dans l'instant où tu fais maintenant de ce départ-là un titre foncier. C'est-à-dire que tu limites Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu va t'abandonner, toi qui es dans ça. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois rentrer dans une dimension de la repentance. La mission de cet homme est terminée dans ta vie. La mission de cette femme aussi est terminée dans ta vie. La mission de quelqu'un est terminée dans ta vie. Alléluia. Lorsque une mission est terminée, on dépose les armes et on prend un nouveau traité. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que quand la personne est partie, c'est qu'elle est forcément mauvaise. Non, sa mission est terminée. Bien-aimé, je vais te poser cette question. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as quel âge aujourd'hui? Est-ce que l'année prochaine, tu auras encore ton âge? Non, papa. Ah!
Pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas avoir ton âge l'année prochaine? Le même âge. Mais parce que la vie elle-même, elle est évolutive. Alléluia. Amen. Voilà. Ce n'est pas pour vous m'enfant, non. Il faut rester concentré à Dieu. Alléluia. Amen. Restez concentré à Dieu. Méfiez-vous des personnes qui sont parties et reviennent. Alléluia. Le serpent, même quand il change de peau, il reste toujours un serpent. Alléluia. Celui qui a volé, volera s'il ne s'est pas repenti. Alléluia. La vie est un parfum d'émotion. Pourquoi la gâcher avec la colère et la rancœur? Alléluia. Ne gâche pas la vie à cause de la rancœur. N'aie pas de la rancœur avec quelqu'un. N'aie pas de la rancœur avec quelqu'un. Ça va étouffer ta vie. N'aie pas de ressentiment pour quelqu'un. Ça va bloquer ta vie. N'aie pas de pincement pour quelqu'un. Ça va limiter ta vie. Alléluia. Rentrez dans une autre dimension. Rentrez dans la dimension où, malgré votre intellect, malgré l'habitude, diminuez-vous. Amen. Un jour arrivera où tu auras l'âge que Dieu a décidé. Tu auras l'âge que Dieu a décidé. Tu feras ce que Dieu a décidé. Tu iras là où Dieu a décidé. Le peuple d'Israël, ils ont tellement été en captivité pendant plus de 400 années en Égypte. Il a suscité un homme. Alléluia. Dieu a suscité un homme à la personne de qui? Moïse. Il a travaillé, il a sorti ce peuple parmi lesquels d'autres ont vu les miracles de Dieu. Alors suite et face à l'épreuve, beaucoup ont péri dans le désert, mais d'autres aussi sont arrivés à Canaan. Alléluia. D'autres sont arrivés à Canaan. Donc ne t'inquiète plus. C'est pourquoi la parole de Dieu te fortifie dans le livre de Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Lorsque tu pèches contre ton père et contre ta mère, aie toujours en toi la marque d'humilité. Ça va te grandir. Lorsque tu te mets dans une posture de la raison, quelque chose meurt dans ta vie. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, quelque chose meurt. Parce que si tu blesses quelqu'un et que tu ne demandes pas pardon à la personne, bien-aimé dans le Seigneur, il va se passer spirituellement ce qu'on appelle un lien. Et ce lien-là va aller condamner une génération à venir de ta vie. Alléluia. En ce sens où tu penses que à ton niveau ça va, mais ton enfant payera le prix. Bien-aimé dans le Seigneur, on paye toujours le prix. Je ne veux pas terminer cette exhortation en vous demandant, sans vous demander plutôt, à la fin de ce live, va vers ton frère. Va vers ta soeur à qui tu as critiqué. Prends ton téléphone, appelle ton frère et demande pardon à ce dernier. Mets-toi à genoux s'il le faut. C'est une marque d'humilité. C'est une marque, c'est un connecteur logique à la repentance. Ça fait asseoir la repentance. Le fait de se mettre à genoux. Alléluia. Ça fait asseoir la repentance. Lorsque tu te diminues et l'autre dit, d'accord, j'ai compris. Quand tu t'élèves, c'est que Dieu t'a relevé. Alléluia. Et tu as eu le dessus sur le problème qui a miné votre vie. Alléluia. Amen. Ne reste pas dans l'orgueil parce que l'orgueil étouffe l'âme. L'orgueil tue l'esprit. Et l'orgueil te détourne de la voix de Dieu. Même si tu dis Alléluia, Amen, Dieu n'est plus avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'est mort, il est revenu. Mais par les compassions de Christ, nous avons le Consolateur. Quand tu prends conscience du Consolateur, tu peux dire aisément à une personne que Dieu t'a quitté. Alléluia. Dieu t'a quitté. Évitez les comparatifs ecclésiastiques. Moi aussi. Toujours toi. Sortez de ça. Alléluia. Amen. Chacun a son temps avec Dieu. Souriez, éliminez de vous, de vos vies, ceux qui éteignent votre sourire. Alléluia. Il faut les éliminer. Celui-là qui passe le temps à te donner les maux de tête. Celui-là qui passe le temps à te donner les maux de tête. Amen. Il faut l'éliminer de ta vie. Bien-aimé, c'est biblique. Alléluia. C'est nous parce que nous avons peur de demain. On ne maîtrise pas demain. On n'a pas foi à demain. On n'a pas foi au prophétique. Celui qui croit à un prophète ne peut pas tomber dans la gêne. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques 20:20, crois au prophète et tu réussiras. Alors si tu es connecté à un prophète, si tu es connecté à un pasteur, si tu es connecté à un évangéliste, bien-aimé dans le Seigneur, sache que le conseil que cet homme va te donner, si un jour il t'a donné, tu avais le sourire, le deuxième conseil aussi peut aussi te donner le sourire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout mensonge n'est pas seulement que sanctionnable.
où n'est pas que délit spirituellement. Il y a des mensonges qui sauvent juste pour mettre l'équilibre dans la société. Alléluia. Référez-vous toujours à mon parent bien-aimé appelé Jacob. Alléluia. Le gars était obligé de mentir pour maintenir quoi? La paix. Alléluia. Ne vous servez pas de ça pour asseoir votre mensonge, de tuer quelqu'un, d'amener l'autre à mourir. Alléluia. Mais restez concentré et connecté à l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Restez dans le sourire. Lorsqu'on se marie, ce n'est pas pour faire du mariage un camp militaire. Alléluia. Le mariage, c'est le repos. Bien aimé, le mariage, c'est le repos. On doit se reposer. On doit éviter de regarder à gauche-droite. C'est pourquoi au couple marié, 1 Corinthiens 7, 5 est debout pour vous. Jusqu'à 13. Alléluia. Vous devez rester concentré. Bien aimé, c'est toi-même qui as poussé jusqu'au mariage. Si tu sentais que le mariage n'était pas encore très bon, bien aimé dans le Seigneur, fallait pas t'engager. Fallait pas t'engager. Bien aimé, nous sommes heureux. Alléluia. C'est pas parce qu'on n'est pas comme non, on est heureux. Toi qui es marié, bien aimé, tu es bloqué sur la terre. Tu peux aller divorcer, mon ami. Sache qu'au ciel là-bas, ce n'est pas divorcer. Alléluia. Amen. Tu peux te remarier. La femme avec qui tu t'es marié, là, Dieu a déjà pris ça. Nicodème a posé la question à Jésus. Un homme peut-il naître et repartir encore dans le ventre de sa mère? Et Jésus a dit, mon ami, je crois que tu dois avoir un problème au niveau de ta conscience. Alléluia. Amen. Jésus était un technicien. La Bible a beaucoup arrangé. Alléluia. Mais Jésus savait parler aux gens. Parce que Nicodème, un grand comme lui, un docteur de la loi, il ne peut pas dire de telles choses. Comment à son âge, il va encore prendre rentrer dans le ventre de sa mère? Quelqu'un dit, il y a un problème. Alléluia. Amen. C'est pour dire que lorsque tu vas dire oui devant le maire, alléluia. Le oui, il est déjà parti, le oui, il ne revient plus. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es chrétien, qui n'es pas encore marié, passe par des temps où on doit revoir les paramètres de ton choix. Alléluia. Amen. On doit examiner ton choix. Parce que quand tu dis, ok, acceptez-vous de prendre pour époux madame telle, le oui là est parti. Bien aimé, le oui est parti. Le oui est parti. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent conseiller des femmes mariées, des hommes mariés, bien aimés dans le Seigneur, c'est la malédiction. On ne conseille pas une femme mariée quand on n'est pas spirituel. Alléluia. Tu n'as pas de fiancé. Tu n'as pas de fiancée. Alléluia. Amen. Tu n'es même pas marié. Et c'est toi qui dis que tu as l'onction du mariage. En quoi? Alléluia. Amen. Tu ne sais même pas faire une réconciliation de couple ou de famille. Mais c'est toi qui dis que tu as l'onction de réconciliation dans le mariage. Il y a des fois qui tiennent ce genre de personnes-là. Ils vont vous donner des techniques, des conseils physiques, mais pas spirituels. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es marié, conseille marié, il y a une portée spirituelle. Il y a un déclenchement de processus sur le oui. Alléluia. Le dénominateur commun des mariés se pose sur le oui. Alléluia. Le oui. Parce que toi, tu peux avoir ton thème le jour de ton mariage. L'autre aussi peut aussi avoir son thème. Mais le oui n'a pas de thème. Alléluia. Le oui n'a pas de thème. Restez concentré, c'est universel, c'est spirituel. Le même oui et le aïe que la maman a eu à faire quand tu es né. Le même aïe. C'est pourquoi on vous dit, respectez vos parents. Respectez vos parents. Respectez vos parents. Respectez vos mères. La femme. La femme a une portée spirituelle dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Respectez bien aimé dans le Seigneur. Après ce culte aussi, deuxième consigne. Cherche à offrir un cadeau à ta mère. Cherche à donner du sourire à ta mère. Cherche à donner du sourire à ta mère. Alléluia. Amen. Lorsque ta mère avait ta grossesse à 8 mois, hey, il y a plus attaché, c'était difficile. Alléluia. Je vois quand ta mère se levait un seau pendant que tu étais en train de regarder le liquide amniotique, pendant que tu bougeais, pendant que les sorciers voulaient te dévorer, elle était là pour veiller à toi. Elle est même allée voir les gangas parce qu'à un moment donné, tu te dérangeais. Tellement Dieu était en train de te charger, tellement tu étais un adorateur de Dieu dans le ventre. Tu bougeais, tu dansais. Mais la maman avait des douleurs. Alléluia. Et c'est toi aujourd'hui qui vas commencer à la menacer. Non, il faut te repentir. Alléluia. Il faut te repentir. Bien aimé, il faut vous repentir. On a de la nourriture là à manger. On va bien manger. Deutéronome 7, le verset 5 à 8 et debout. Ça, c'est le texte de base. Alléluia. Oui. Hey, Shayama. Apprenez à respecter vos positions.
Apprenez à respecter vos positions. Apprenez à respecter les hommes de Dieu. Je bénis l'Éternel pour ce qui se passe au Gabon. Parce que Dieu avait déjà parlé. Alléluia. Dieu avait déjà parlé. Ce matin, je suis parti devant mon église. Alléluia. Amen. Devant MPR, ce matin, je suis arrivé à MPR. J'étais tellement heureux parce que j'ai d'abord rendu grâce à Dieu devant l'église. Je ne trouvais aucun agent de force de l'ordre. J'ai compris aisément que ma prière avait payé. Amen. Alléluia. Et quand je suis passé chez les autres, là aussi, j'ai vu les agents. J'ai dit, oh, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner là? Bien-aimé, ça n'engage que toi si tu veux commencer à critiquer. Ce n'est pas de ma faute, c'est mon époque. Amen. Je suis le Élysée de ma génération. Amen. Je ne suis pas allé payer ça dans un magasin. Aïe. Alléluia. Amen. Et l'avantage ne termine pas qu'après ce culte. Ça termine à 24 heures. Oui. Alléluia. Amen. Donc ça fait 4 heures le dimanche. Amen. Donc je suis encore dans ça. Amen. Alléluia. Amen. Non, je bénis l'Éternel aussi pour certains hommes de Dieu et des chrétiens qui ont ouvert leurs églises malgré la résistance. Alléluia. Nous bénissons aussi le peuple catholique parce que c'est un peuple, c'est une race. Oui, bénissons les catholiques. Je les ai vus en affront ce matin avec les policiers. Ils étaient en train de discuter. Ils étaient fâchés, ils étaient vêtus de blanc. Couleur de la connexion spirituelle pour aller adorer qui? Leur Dieu. Mais l'église était ouverte. Alléluia. Même s'ils n'ont pas pu accéder, l'église était ouverte. Alléluia. Là, on voit bien que ce n'est pas l'homme. Alléluia. Ce n'est pas le spirituel. Nous, on n'a pas les âmes. Alléluia. Nous, on a le cœur. On a la prière. Et celui qui avait les âmes a pointé contre la prière. On a dit, tire. C'est ce qui s'est passé ce matin. Alléluia. Ah, c'était tellement beau. C'est des belles images. Alléluia. Oh, vraiment. Pitié. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez des politiques, certains vraiment devenus dans la confusion. Est-ce qu'aller à l'église est une nécessité? Quand un politique sort une telle bêtise comme ça, est-ce qu'il pense à son enfant? Est-ce qu'il pense à son avenir? Est-ce qu'il pense à son lendemain? Quelqu'un dit, eh ouélé. Eh ouélé. Ah, Yahweh. Yahweh. Là, ce n'est plus le ministre de l'Intérieur, c'est maintenant le ministre de la Santé. Ah, Yahweh, chabot. Alléluia. Non, nous devons prier pour les membres du gouvernement. Nous devons prier pour les membres du gouvernement. Alléluia. Qu'ils puissent revoir leur position. Notre force ne réside pas dans l'affront. Notre force réside dans la prière. Alléluia. On va prier toujours pour eux. On va prier pour eux. On va attendre le 30. Alléluia. Le 30, on viendra faire le culte. Alléluia. Amen. Non pas avec 30 personnes, mais avec 100 personnes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, papa. Oui. On va faire ça. Alléluia. Amen. Et d'abord, on dit toujours les choses. Mais on ne vérifie pas. Et même si on vérifie, bien aimé dans le Seigneur, on fera le culte avec 100 personnes. Alléluia. Amen. Monsieur le gouvernement, très membre du gouvernement, politique, politicien, politique, alléluia. Amen. Nous ferions le culte avec plus de 100 personnes. Alléluia. Amen. Tout en respectant les mesures barrières. Et nous allons faire le culte au mètre carré de nos salles. Alléluia. Mm. Si la salle est pleine, on va dire bon avec les mesures parce que nous sommes aussi humains. Nous n'allons pas contaminer les autres. Alléluia. Amen. Certainement, on a envoyé cette maladie-là à la couche ozone, ça a touché certains, ceux qui étaient faibles, ceux qui n'ont pas des chromosomes ou des caryotypes NGP, alléluia. Mm. Voilà, ça les a touchés et puis ils sont restés faibles. Mm. Alléluia. Mm. Donc nous allons respecter ça, parce que d'autres sont faibles, ils ont des caryotypes très faibles. La faiblesse, tu vois, des choses comme ça. Alléluia, c'est pourquoi on parle des cas. Alléluia. Mais lorsque tu es connecté à MPR, tu as ce qu'on appelle des caryotypes NGP, qui veut tout simplement dire hémodiphérien. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est travailler ou bien c'est pas travailler. C'est travailler. C'est Dubaï ou bien c'est pas Dubaï. C'est Dubaï. Est-ce que c'est monté comme ça? C'est monté, papa. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Alléluia. Amen. Il faut prier vraiment pour les gens du chouchou. Alléluia. Alors, ils sont très déterminés, les gens du chouchou. Ils ont des comportements très raffinés avec des caryotypes assez techniques. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, papa. Ok. On va prier aussi pour l'esprit d'Ambondje. Parce qu'à Ambondje, il y a un esprit d'embouteillage. Un esprit sans eau là-bas.
Un esprit de problème de courant, ça ce sont des esprits bizarres. Alléluia. Il faut nous soutenir dans la prière président d'Angonje. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Bien-aimés, restons calmes. C'est un enseignement que nous sommes en train de traverser. Le problème de Gabon n'est pas physique, c'est un problème spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-nous vous aider à remettre ce pays-là au bon fixe. Alléluia. Et ça a déjà commencé. Quelqu'un dit prophète lance. Prophète lance. Ouais, je lance. Alléluia. Amen. Alors vous allez vous lever, vous allez vous lever. On va rendre grâce à Dieu, on va rapidement manger. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Dieu notre Père, toi qui vis dans les cieux, nous te bénissons pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes encore nous enseigner. Nous voulons que tu enseignes quelqu'un. Que tu viennes encore transmettre quelque chose de plus au nom de Jésus. Merci encore pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, nous faisons asseoir ce thème au travers de ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, prenez vos Bibles. Le Deutéronome chapitre 7, versets 5 à 8. Le thème de ce matin, c'est le contraire de la Bible. Le contraire de la Bible. Alléluia. Le contraire de la Bible. Verset 5 à 8. Verset Deutéronome chapitre 7, versets 5 à 8. Alléluia. Le contraire de la Bible. Électeur. Deutéronome 7, verset 5. Il est écrit. Il est écrit. Voici au contraire. Voici au contraire, s'il te plaît. On a dit que le thème c'était quoi? Le contraire de la Bible. Le contraire de la Bible. Ça cache quelque chose. Mmh. N'est-ce pas? Oui. On ne peut pas commencer un texte biblique par le mot du thème. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a un suspense. Mmh. Quel est l'acteur de ce thème? Quel est le bandit aussi dans ce thème? Est-ce que c'est un hôtel? Est-ce que c'est une montagne? Est-ce que c'est une consigne? Quelqu'un dit, ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Et comme ça cache quelque chose, je vais laisser l'évangéliste Osée Richie à pouvoir poursuivre librement. Parce que nous sommes en état de liberté. Alléluia. Amen. C'est la démocratie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah voilà, il faut toujours situer. Amen, papa. Jésus-Christ de Nazareth. Prophète Ferréon de MPR. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de ma faute, c'est mon époque. Amen. Il n'est pas encore dimanche 24h. Alléluia. Amen. Même la gestuelle. Alléluia. Amen. On fait, c'est un peu comme, on va dire, tu as vu, ça dit, on est un peu féminin même. La gestuelle. Alléluia. Amen. Bon, lance, s'il te plaît. Suivez attentivement la lecture. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur hôtel. Vous briserez leur statue, vous abattrez leur idole, et vous brûlerez au feu leur image taillée. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alléluia. Amen. Et vous assurez, je crois qu'il y a tout dedans. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Alléluia. Amen. Alors, nous pouvons observer là, déjà une marque de désobéissance vis-à-vis du peuple d'Israël à l'endroit de Dieu. Alléluia. Amen. La désobéissance à l'endroit de Dieu passe d'abord par quoi? Par l'instruction de Dieu. Parce que Dieu a d'abord donné des instructions. Avant de commencer à condamner, on donne d'abord une instruction, on veille à l'instruction et on organise l'instruction au moyen des codes écrits et oraux. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'on a frein à cela, on s'inscrit dans ce qu'on appelle le refus de se soumettre à la loi. Et la Bible, elle est claire. Alléluia. Amen. La Bible est la bouche de Dieu.
C'est pourquoi 1 Jean 1 dit, là, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Alléluia. Amen. Et on nous dit que la Bible est la bouche de Dieu. Donc tout ce qui est écrit est bien de Dieu. Alléluia. Nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons suivre les consignes de la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Et nul est écrit dans cette parole que nous devions aller lutter avec les armes. Mais au contraire, nous devons lutter avec les armes spirituelles. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle des armes spirituelles, la première arme, c'est d'abord l'instrument physique que tu es. Alléluia. Amen. Parce que ton corps est déjà une arme. Une arme. Alléluia. Amen. Et ce que tu vas mentionner dans cette arme-là, alléluia, sont appelés des munitions. Alléluia. Amen. Et ces munitions-là, c'est pour combattre les principautés et les forces terrestres. Alors, le peuple d'Israël, eux, ils se sont détournés de la face de l'Éternel. Ils ont commencé à louer les idoles. Ils ont commencé à vénérer les idoles. Ils ont commencé à vénérer les politiques à l'endroit au détriment du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui a mené tout le contraire de la parole de Dieu. Alors, la désobéissance ici, c'est le refus de se soumettre à la loi. C'est l'indiscipline, l'esprit de quoi? De rébellion et de révolte. Voilà la conséquence du contraire de la Bible. La rébellion. À quoi? À l'instruction de Dieu. Alléluia. Et vous savez que la rébellion n'a pas de place dans la maison de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le mot contraire est un adjectif qui qualifie la personne, l'animal ou la chose en vue de faire ce qu'on appelle une déduction par rapport au contexte de ce qu'on veut emmener Dieu à nous expliquer. Alléluia. Alors, nous avons ici ce qu'on appelle le contraire, qui est aussi semblable en vocabulaire appelé les antonymes. Alléluia. Les antonymes ici, là, ce sont des mots contraires, comme par exemple descendre et monter. Alléluia. Le contraire de la Bible, c'est la désobéissance. C'est le refus de se soumettre. Alléluia. Amen. Lorsqu'on ne se soumet pas, c'est qu'on est contre la Bible. Lorsqu'on ne se soumet pas à l'autorité que Dieu a placée, c'est qu'on est contre la Bible. Lorsqu'on refuse de respecter les commandements, c'est qu'on est contre la Bible. Et par conséquent, on n'a pas notre place en qualité d'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu et spécificité en disant fils de Dieu. Parce que nous pouvons être des enfants, mais on ne peut pas être aussi forcément être des fils. Alléluia. Amen. Un fils, c'est quelqu'un qui a plus de vigueur. Alors, la Bible nous dit ici dans le livre de Matthieu 14, verset 24, la barque était déjà au milieu de la mer, était abattue par le flot, car le vent était contraire. Alléluia. Le vent était quoi? Contraire. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné le cap, ils maîtrisaient en principe certaines choses. Mais il y avait ce qu'on appelle des instructions qu'il fallait suivre. Et lorsqu'on ne suit pas l'instruction qui vient de Dieu, on se met toujours en contradiction avec la raison et la raison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Et Genèse 18, verset 15 dit quoi? Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il a dit le contraire. Tu as ri. Alléluia. Amen. Le contraire nous entraîne toujours, nous emmène en enfer. Le contraire des choses nous détourne de la voie de Dieu. Le contraire des choses ne nous fait pas grandir devant Dieu. Le contraire des choses nous déséquilibre avec le Seigneur. Alléluia. Quand tu fais quelque chose qui est contraire, ça veut dire que tu es déjà hors FIFA homologué de Dieu. Alléluia. Par conséquent, tu dois revenir par le canal de quoi? La repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas plus grand bêtisier que Monsieur David, appelé roi David. Le gars là, c'était une machine du désordre. Mais sa spécificité, c'était qu'il savait se repentir. Il savait parler avec Dieu. Il connaissait l'heure de parler à son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait une alliance avec Dieu. Et il savait que là, je ne peux pas parler à mon père n'importe comment. Voilà l'heure, je peux parler à Dieu. Je sais que mon père là, il est comme ça. Là, il ne peut pas me recevoir. Quand il sourit, c'est que là, il est fâché. Quand il est fâché, c'est qu'il sourit. Mais toi qui ne maîtrises pas le Seigneur, tu as dit comme le Seigneur est content, je peux aller parler avec lui. Non, il faut avoir le discernement. Il sourit pourquoi? Est-ce du diable dans ta vie ou un programme diabolique dans ta vie?
Alléluia. Amen. Et toi, puisque tu suis ça, tu vas aller contrer le plan de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu te dit, il faut avoir une alliance avec Dieu. Tu sers Dieu au pied de Dieu. Dans quelle assemblée? Alléluia. Dans quelle assemblée tu sers le Seigneur? Alléluia. Il faut faire très attention. C'est pourquoi Dieu Seigneur m'a révélé de vous demander d'accorder un moment d'attention suite au commandement que lui-même il a inscrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, notre thème ici, c'est le contraire de la Bible. Alléluia. Amen. Un canevas. Il nous a donné une ligne de conduite à respecter. C'est biblique. Alléluia. Et vous allez aussi voir le contraire de ce que Dieu nous a dit. C'est pourquoi je vais inviter l'évangéliste Osé Richie à pouvoir venir lire Deutéronome 5, 7 à 21, les commandements de Dieu. Voilà ce que Dieu a dit dans sa parole. Deutéronome 5. 5. Apprenez à écouter. Hein? Deutéronome 5. Verset 7 à 21. Verset 7 à 21. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome 5, à partir du verset 7. Écoutez bien ce que Dieu dit. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Amen. Toi qui as la ressource, toi qui as les occultistes. Tu ne te feras point d'image taillée. Ah, d'accord. De représentation quelconque. Alléluia. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Aha. Toi qui sont en bas sur la terre. Alléluia. Amen. Toi qui passes ton temps en train de mettre des postures, des trucs bizarres, parce que tu penses que c'est la mode. Vous allez prendre des squelettes, des femmes nues ou des hommes nus, et vous allez commencer à mentionner des choses dedans. Et vous pensez que vous êtes des chrétiens. Voilà ce que Dieu vous dit là-bas. Et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Alléluia. Dans la maison de certains chrétiens, vous croisez encore les masques traditionnels dans leur maison. Vous regardez comme ça, dites, oh, ça c'est elle. Voilà ce que la parole de Dieu vous dit. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Hey, qui punit l'iniquité. Voilà. Ça dit que Dieu, il est quoi? Dieu, il est jaloux. Lorsque vous faites des mélanges, à un moment donné, vous dites que vous êtes des chrétiens, vous venez à l'église. Et lorsque vous allez dans vos administrations, vous êtes les premiers à vous asseoir sur des têtes pour condamner l'église. Vous êtes les premiers à soif pour condamner l'église. Ce matin, lorsque j'étais en train de revenir chez moi avec l'évangéliste, je pouvais poser la question. J'ai dit, si on met tel fils qui a telle position sur le plan administratif devant, tel devant, est-ce que les policiers là ou les militaires là vont attaquer ces derniers là? Parce que parmi les tels là, il y a aussi les militaires, il y a aussi les policiers chrétiens. Alléluia. Est-ce qu'ils vont tirer sur eux-mêmes? Alléluia. Avant de mettre d'abord des chrétiens civils derrière, on met d'abord des chrétiens magistrats devant, on met des chrétiens militaires devant, des gendarmes devant. Est-ce qu'eux-mêmes vont tirer sur eux-mêmes? Mais pourquoi lorsqu'ils sont dans les administrations, ils vont s'asseoir sur des tests qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu qu'on enseigne à l'église? Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu teste les gens. Dans les temps de l'épreuve, c'est pourquoi le problème du Gabon n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. Nous devons revenir à la racine de la croyance en l'Éternel. Dieu a déjà commencé à parler au Mkoukoué. Il a parlé au Njobi. Il a parlé au Bouanga. Il a parlé au Milan. Il a parlé. Vous comprenez? Il a parlé au Bouiti. Il a parlé au Disumba, au Dinzanga. Tout ça, il a déjà parlé. Il est même allé à la Rose-Croix. Il est allé à la franc-maçonnerie. Il est allé à la Jef. Il a fait le tour. Il a dit, repentez-vous. Maintenant, il revient maintenant à vous. Les enfants de l'Éternel. Il revient à vous, ces enfants, ces créatures, pour dire, vous là, j'ai déjà parlé à ces choses. Donc, allez confirmer que vous n'êtes plus n'importe qui. C'est ça, en ce moment, qui se passe. C'est pourquoi il y a des bouleversements, en ce moment, sur le plan physique, du côté du Gabon. Alléluia. Et dans d'autres pays aussi. Oui, parce que là, c'est le Gabon, comme nous sommes ici.
Mais il y a aussi ce bouleversement-là aussi dans d'autres pays. Dieu est en train de récupérer son pays. Mais il ne peut pas récupérer son pays sans pourtant mettre d'abord l'anesthésie. Parce que l'anesthésie, c'est le mouvement qu'on est en train d'observer en ce moment-là. Alléluia. Afin de retirer la mauvaise dent qui empeste la bonne marche du fonctionnement de la bouche, de la paix, de la joie en territoire gabonais. Alléluia. Amen. Pousse, évangéliste. Je suis un Dieu jaloux. Il est jaloux. L'iniquité des Dieu pères. Est jaloux. Bien-aimé. Dieu est jaloux. Si tu aimes ton enfant plus que Dieu, Dieu va créer une situation de mécontentement. Maintenant, si je te pose la question, puisque toi tu aimes plus ton enfant que Dieu, si Dieu se fâche là, il peut prendre quoi? Il peut bouleverser quoi? Voilà la question que tu peux te poser. Si c'est ton travail, entre ton travail et Dieu, il peut bouleverser quoi? Alléluia. Puisque c'est ton moi, ça dit que toi c'est le vestimentaire, oui. Et toi, qu'est-ce que Dieu peut les bouleverser? Parce qu'il y a des gens qui vénèrent le téléphone, il y a des gens qui vénèrent leurs enfants, il y a des gens qui vénèrent leurs femmes, il y a des gens qui vénèrent leur mari, il y a des gens qui vénèrent leur maison, il y a des gens qui vénèrent leur travail, il y a des gens qui vénèrent leur voiture. Ils sont attachés au matériel, ils sont attachés aux choses. Mais Dieu est quoi? Il est jaloux. Si Dieu a besoin de toi à 12h pile, pendant que toi tu t'apprêtes à rentrer en réunion, tu fais comment? Vous allez trouver le justice. C'est Dieu qui donne le travail, mais Dieu a besoin de toi, le Dieu Tout-Puissant, il a besoin de toi. Entre la mort et le travail, tu choisis quoi? À toi de voir. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Toi qui es en train de commencer à haïr l'Éternel, toi qui es en train de formater des plans contraires à la parole de Dieu, voici ce que Dieu vous réserve. Tu penses que tu agis bien lorsque vous venez lui donner des discours qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Des discours qui sont bizarres, qui ne sont pas inscrits dans la parole de Dieu. Mais Dieu fait quoi? Non seulement c'est par toi que rentre la malédiction, mais il condamne des générations de ta famille. À cause de qui? À cause de toi. C'est pourquoi vous qui avez des parents en politique ou qui ont des positions, même si ce n'est pas la politique, priez toujours pour eux. Priez pour chaque leader de vos familles. Priez pour les chefs de famille. Alléluia. Si c'est ta mère qui est chef de famille, prie pour ta mère. Si ton père qui est chef de famille, prie pour ton chef. Alléluia. Parce que l'heure est grave. Il y a une attaque sur les leaders. Il y a une attaque sur le chef de l'État. Il y a une attaque sur le premier ministre. Il y a une attaque sur les députés. Il y a l'attaque est partout en ce moment-là. Maintenant, vous qui êtes des députés de bas niveau, qu'est-ce que vous dites pour le député de haut niveau? Alléluia. Amen. Vous qui priez dans l'assemblée, qu'est-ce que vous dites pour le prophète, votre pasteur, votre imam, votre diacre? Alléluia. Ah. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements? Voilà. Voilà une promesse que Dieu fait. Toi qui prie, qui jeûne, ce n'est pas parce que tu n'as pas le travail, pas parce que tu n'as pas ce que tu veux à l'instant T. Non, il y a le plan de Dieu dans ta vie. Il est mieux de gagner 1000 générations que d'aller maudire ta génération. Alléluia. Regarde-moi combien de fois Dieu est miséricordieux, combien de fois il est amour, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des personnes qui ont laissé le travail. Il y a des personnes qui ont laissé les activités pour se concentrer à Dieu. Et quelqu'un va venir un matin se lever pour dire, oh, est-ce que c'est nécessaire d'aller à l'église? Alléluia. Quelqu'un dit vraiment? Vraiment. Oh. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Voilà. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alléluia. Amen. Tu es un agent marketing. Tu fais du marketing. Tu veux faire du marketing. Tu te caches derrière la parole de Dieu pour faire passer tes produits. Tu te caches derrière la parole de Dieu pour commencer à cacher tes besoins. Comme certains pasteurs en territoire, certains imams, certains prophètes. Alléluia. C'est selon. Ils sont les mêmes là. Ils vont danser au boutique. Ils vont faire les cultes dans les sectes. Et ils sont les mêmes à venir dire Jésus. Vérité. Jésus, 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 Jésus. C'est pourquoi Dieu dit. Beaucoup parleront à mon nom. Je dirais, je ne les ai point connus. Alléluia. Je ne les ai point connus. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, c'est-à-dire Jésus lui-même, c'est un grand prophète. Le type a dit, beaucoup vont parler. Et il a donné au prophète Ferréol un code. Alléluia. Il a donné un code au prophète Ferréol. Il a dit, prophète Ferréol, approche pas la bonne ton oreille, en pleine conduite. Il dit, prophète, il dit au peuple que le faux est plus intense que le vrai. Vérité. Alléluia. Amen. C'est une parole prophétique, codique.
Quelqu'un dit c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, c'est pas de notre faute, c'est notre époque. Mmh. Alléluia. Amen. Beaucoup m'ont dit Jésus, 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 Jésus. Mais ça ne, y a rien. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui prend le feu, tant qu'il allume. Quand il met, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment la molécule qui permet à ce que ce feu-là puisse répondre de manière vive. Amen. Amen. Mmh. Observe le jour du repos. Observe le jour du repos. Quand on vous dit de ne pas aller à l'église, le jour du repos là, c'est pourquoi? C'est pour aller rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a protégés tout au long de la semaine. Il nous a protégés tout au long de la semaine, ce grand Dieu. Il était là pour nous. Il a veillé sur nous. Il a veillé sur nos enfants. Il a veillé sur nos transports. Il était là avec nous. Il s'est occupé de nous. Lorsqu'on était dans la détresse, il était là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, j'ai une de mes filles. Elle est une autorité dans ce pays. Elle est arrivée hier. C'était pas beau à voir. C'est compliqué. Compliqué. Le problème était lourd. Alors le médecin a déclaré des paroles. Mais il fallait aller chez l'homme de Dieu. Lorsqu'elle est arrivée, une heure compliquée, j'ai dû prier pour elle. Elle a eu le repos. Elle a eu le repos et le réconfort. Et c'était tranquille. Elle a appelé là, oui, prophète, j'ai bien dormi. En mode go, c'est go. Le mari est très content. J'ai dit, voilà. Alléluia. Quand quelqu'un va dire, est-ce que c'est important d'ouvrir les églises? Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi on dit le problème du Gabon n'est pas physique, c'est spirituel. Observe le jour du repos pour le sanctifier, ouais, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Alléluia. Pour le sanctifier, dans la sanctification du jour du repos, il y a quoi? Il y a le respect de la parole, il y a le respect du tabernacle, il y a le respect de la salle, il y a le respect de l'intercession, il y a le respect de la prédication, il y a le respect de l'exhortation, il y a le respect d'autrui, il y a le respect des consignes, il y a le respect des principes spirituels ordonnés par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et on va te demander de ne pas aller. Oh, quelqu'un dit, oh, oh. Pitié de un. Pitié de un. On va prier pour vous. Pitié. Vraiment. Vraiment. Quelqu'un dit vraiment. Vraiment. Toi qui a dit vraiment, la soit béni. Vraiment. Amen. Vraiment. Alléluia. Oui, vraiment. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs, ni tes servantes, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Ah, alléluia. Amen. Tu vois ça? Parce qu'il faut les rendre un culte agréable à l'Éternel. Lorsque vous prenez maintenant les forces de sécurité dimanche au jour du repos pour aller squatter devant les églises, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dit Ewele. Ewele. Alléluia. Amen. Ah, est-ce qu'on a demandé aux forces de sécurité d'aller nous surveiller? Le Saint-Esprit nous surveille déjà. Amen. Il veille sur nous. Le lion de la tribu de Juda veille sur nous. Amen. Oh, bien aimé, n'ayons pas peur de la prison. Alléluia. N'ayons pas peur de la prison. Amen. Oui, on est go. C'est go. Alléluia. En prison, on va chanter. En prison, on va louer. En prison, on va enseigner. En mochaka. Au moins, tu vas enseigner des personnes qui sont déjà en prison. Amen. Mais comment c'est que Daniel n'a pas fait une longue durée, alléluia, en prison, dans la fosse, au lion? Il est sorti. Quelqu'un dit il est sorti. Jonas, dans la bouche du poisson, il a fait combien de temps? Une petite durée. Après, il est sorti. Jésus, au tombeau. Alléluia. Amen. Il a fait combien de temps? Une petite durée. Après, il est sorti. Alléluia. Amen. Tu as peur de quoi? Alléluia. Amen. On n'a pas peur de ça. Yes. Quand tu as Dieu, tu ne vas jamais durer. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon, comme ça, moi, tu es une star. Qu'on va t'interpeller, on t'interpelle, on te met les masse-notes et tout ça là. Moi, j'ai béni l'Éternel parce que j'ai beaucoup d'enfants internautes. Non, c'est des machines de guerre. Ils vont filmer comment notre prophète Ferréol, on l'attache là avec les menottes. Il est en train de marcher maintenant comme vraiment le libérateur. Amen. Yes. Apprends lui-même la parole. Très bien. Prophète, qu'est-ce qui se passe? Oh, restez là la prière. Alléluia. La prière. Yes.
Parce que je vais libérer le peuple. Amen. Je vais libérer un prisonnier. Amen. Restez calme. Restez calme. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez faire de lui des stars de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit vraiment. Vraiment. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Parce que quand on va observer trois jours, on ne me voit pas. Quelqu'un dit, il y a un évangéliste qui va se réveiller. Il y a un apôtre qui va se réveiller. Il y a une diaconesse qui va se réveiller. Même les mutistes vont se réveiller. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Ils vont dire, non, le type là est où? Alléluia. Il y a des mutistes qui sont en téléchargement de conversion. Mm-hmm. Donc si les petits démons, ça dit que les esprits des eaux, les esprits de politique, les esprits du blason, les esprits vraiment qui veulent gérer le Gabon avec les panthères, veulent commencer à se mettre en association pour prendre le prophète pour le déposer. On va dire on ne veut pas avoir le type là ici là. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ça dit que vous allez voir maintenant les feux follets à la présidence, les feux follets dans les ministères, les feux follets, vous allez voir les ziki, les petits hommes là. Eux-mêmes vont venir comme ça là. Tu te réveilles le matin dans ta voiture à côté, tu dis bonjour. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, papa. Je sais de quoi je vous parle, bien aimé dans le Seigneur. Les petits hommes là sont. Alléluia. On est en train de faire leur suivi. Mmh. Afin qu'ils se convertissent. Amen. Alléluia. Amen. Les esprits de forêt sont en train de commencer à s'assembler, devenir un. Afin de produire ce qu'on appelle vraiment le parfum. C'est-à-dire que l'oxygène de repentance dans la couche d'ozone. Yes. Alléluia. Amen. Donc vous ne pouvez pas bloquer quelqu'un comme ça. Quelqu'un, c'est-à-dire quand il arrive en forêt, on le respecte. C'est-à-dire les arbres même s'écartent seuls. Alléluia. Amen. La preuve, c'est que quand il veut traverser le vivant, on attrape la main. Très bien. Quelqu'un dit c'est trop fort. C'est trop fort. Alléluia. Amen. Et ça, c'est à MPR. Oui, quand tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Tu te souviendras que tu étais bordel avant. Amen. Tu te souviendras que tu étais impayé. Tu te souviendras que tu allais en boîte de nuit. Tu te souviendras que tu faisais d'abord la sorcellerie. Tu te souviendras. Parce que te souvenir, c'est quoi? C'est pour faire des sujets de prière. Yes. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'as pas bien fait la repentance quand tu étais là-bas, et que tu vois ce signe dans ce produit dans les vies de tes enfants, tu dois te souvenir pour prier, demander pardon. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le souvenir, là, c'est pour faire de ça un sujet de prière. Alléluia. Amen. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et main forte. À bras étendus. Alléluia. À main forte. Alléluia. C'est par la force que les autorités sont en train de se bloquer les églises. Ils viennent là comme c'est pour la radio, c'est pour eux. Quand on dit aussi aux chrétiens, ça nous apprendra. Hein? Cotisons, on va prendre une chaîne télévisée. On va mettre une chaîne télévisée non-stop. On a déjà Repentance TV et tout ça, Repentance TV. On a tout ça là. On a Bethel Media, tout ça. Cotisons, on aura notre chaîne, on va faire passer nos émissions. On est déjà régi par le CNC, Conseil National de la Communication. On a rempli les critères, bien aimé. Voilà, la RTG chaîne 1. C'est mobilisé. C'est la chaîne du PDG, en mode go, c'est go. Ah, mais nous, nous sommes au parti de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le ressuscité, le rédempteur. Nous bénissons l'Éternel pour Facebook. Pour Twitter. Alléluia. Amen. Et aussi pour Instagram, pour YouTube et pour Gunther. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Gunther. Gunther. C'est le bonbon de maman. Alléluia. Amen. C'est dimanche. Amen. Oui. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Voilà. Honore ton père et ta mère. Et voilà. Honore ton père et ta mère. Voilà. Toi, quand ton père t'envoie chez le boutiquier, on t'envoie tellement de faire, ils sont tellement de faire cela. Tu commences à dire des choses compliquées. Tu n'honores pas ton père. Alléluia. Ah, je poursuis. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Tu ne tueras point. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Alléluia. Amen. C'est la même chose partout. Je vous ai toujours appris que quand on va dans une administration, dans une société, dans une organisation, honorez toujours les dirigeants de l'organisation. Honorez, vos jours vont durer. Si tu honores l'onction,
tes jours vont durer. Ça veut dire que si même une maladie naturelle arrive dans ta vie, puisque tu es dans l'obéissance, quand tu vas seulement dire au nom de Jésus, la maladie va dire c'est vrai, elle connaît qui elle est. Mmh. Alléluia. Mmh. Parce que tu honores dans la vérité. Oh. Alléluia. Mmh. Faut pas honorer dans les murmures. Ce n'est pas tu es chrétien qu'à l'église et à la maison tu es devenu païo. Ah, quelqu'un dit c'est quoi c'est ça? C'est quoi c'est ça? C'est la païdéité de la païnisation païnique. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Et ça, Dieu va retrancher tes jours. Alléluia. Mm. Parce que tu ne fais pas la bonne publicité de ton père. Mm. C'est ça. Quand les lives comme ça, tu ne partages pas. Tu dis que tu es fils de prophète. Mm. Tu es chez toi là-bas, tu n'arrives même pas à dire un mot prophétique. Mm. Tu viens comme ça, après tu as commencé à dire peut-être ce sont mes idées. Non. Tu es connecté au prophète. Sors, c'est ça là qui est la vérité. Alléluia. Oui, même quand tu marches, à un moment donné, tu peux marcher physiquement. Plus tu marches physiquement, tu es là dans la prière. À un moment donné, tu vois l'esprit. C'est-à-dire la démarche du prophète commence à rentrer en toi. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu es rentré dans le prophétique. Alléluia. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Oui. Moi, j'ai béni l'Éternel chaque fois que j'en vois souvent. Vraiment, les évangélistes, les apôtres, mes enfants, les pasteurs, ils vont quelque part. À un moment donné, ils changent. Ils deviennent maintenant comme un Sangoku. Ils commencent à devenir, les cheveux deviennent jaunes. Super saiyan. Non, ils sont connectés quoi. Et après, quelqu'un commence à dire, ah, c'est les enfants du prophète. Yes. C'est les éléments là. Alléluia. On les appelle les contaminateurs. Yes. Alléluia. Quand on passe quelque part, on contamine. Yes. Alléluia. Amen. On contamine à la douane. On contamine à la ramière technologique. On contamine dans le chômage. Alléluia. Amen. On contamine à la CNSS. Mm. On contamine à la présidence. À la police, on contamine. Mm. À la gendarmerie, on contamine. Mm. Au tribunal. Donc quelqu'un dit le tribunal. Le tribunal. Le tribunal. On contamine. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oui, on contamine. La contamination de la contamance. Mmh. C'est dans une fantastique. Mmh. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, papa. Même à la Marie Marchande, on contamine. Alléluia. Amen. On a seulement très peur seulement des Bapounous. Parce que les Bapounous, eux, ils ont des balangas, tout ça là. Non, non. On contamine, c'est pour nettoyer. Quelqu'un dit on nettoie. On nettoie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mmh. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Quand tu vas commencer à aller tuer ton frère avec des faux discours, avec des faux témoignages, c'est le tuer. Alléluia. Tuer là, pas prendre seulement le couteau, tu mets non. Quand tu fais un faux témoignage contre ton frère, contre ta soeur, c'est le tuer. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Si tu vas faire un mauvais témoignage contre ton frère et que tu vas faire ça sur quelqu'un qui n'a pas la marque de pardon en lui, ça fait quoi? Ça fait que si un jour, ce dernier à qui tu as porté un mauvais jugement, il a un problème, celui à qui tu es venu le faire ne va pas le sauver s'il est dans un problème. Il va dire que tu meurs. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu dire des mauvaises paroles. Bien aimé, attention. 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 Oui, attention. Tu ne commettras point l'adultère. Oui, voilà. Tu ne déroberas point. Tu ne commettras point l'adultère. Alléluia. Amen. Je vous disais tout à l'heure, bien aimé dans le Seigneur. Vous qui êtes mariés là, c'est vous-même qui êtes allé vous marier. Alléluia. Bien aimé, c'est pas de notre faute. Tu es marié. Tu as la bague. Alléluia. Amen. C'est toi qui as la bague. Oh. Oh. Alléluia. Amen. Tu es parti te condamner. Tu assumes cela. Amen. Jusqu'au bout. C'est pourquoi quand tu fais ça, Dieu te frappe. Oui. Tu es marié, mon ami. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas commettre l'adultère. Tu as fait le bruit aux gens, à cause de toi, on a bloqué la route. Les policiers sont passés avec les motards. Pika, paka, pika, paka, pika. Pour toi-même, tu sors même comme ça là, de la voiture, tu montes la bague. C'est rire. Hein? Nous autant que les gars, nous on a acclamé. La monde acclame pour toi. Alléluia. Fatigue, on a fatigué les mains. Alléluia. Les réunions des familles, c'est toi. Alléluia. Les cotisations des familles, c'est toi. Laver les assiettes, c'est toi. À la cuisine, c'est toi. Les protocoles des familles, c'est toi. Les hôtesses, c'est toi. Oh non, les bus qui doivent composer les hôtesses, c'est toi. Feu de bois. C'est toi, tout ça là. Pour aller encore donner ton corps à un incirconcis. Eh, Yahweh, eh, Wele. Eh, Wele. Quelqu'un dit ça, ça doit stopper. Ça doit stopper. Visite un peu les mariés. Amen. Le mariage, c'est le repos. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Celui qui a trouvé une femme et qui s'est marié a trouvé le repos. Bien aimé, même si ta femme, tu découvres peu de temps après qu'elle a un problème de ronflage. Mon ami, tu vas
dit ça. C'est pour toi, bien-aimé. Quand tu l'as découvert, alléluia. Est-ce que tu as d'abord fait le contour? Alléluia. Est-ce que tu as d'abord fait le contour? Parce que le premier jour, c'est toujours bien. Le premier jour où tu l'appelles, ma chaînette, mon logiciel, mon cœur, ma stressus. Alléluia. Oh, vraiment, ma douce lune. Oh, mon chavel contaminé. Oh, mon COVID-19. Ah, le ciel est content. Oh, mon soleil. Ma banane. Alléluia. Oh, mon tubercule. Ah, le ciel est pas là-bas. Oui, mon tarot. C'est bon. C'est bon, non? Là, c'est encore sucré. Après ça, tu attends seulement. Kumba. Tu dis, oh. Kouou, mais comment tu peux m'appeler comme ça? Non, c'est moi, j'ai un gros nom, il m'appelle pas Kouou. Ouh, non, Seigneur. Quelqu'un va t'appeler Moubamba. Wanga. Oh, mais tu ne peux plus m'appeler maintenant, mon chou. Tu n'es pas chou. Alléluia. C'est toi-même, oh. Alléluia. Oh non, je constate que ma femme ne plaît perd le poids. Elle est déjà trop maigre. Bien aimé, c'est ton choix, tu assumes ça. Tu vas vivre ça toute ta vie. C'est là où Dieu veut maintenant, c'est là où veut maintenant voir. Puisque tu t'es pressé, tu t'es marié à cause du tissage. Tu as vu le tissage et tout ça, la petite avait la poudre au visage. Tissage, tu as dit, ah non, là c'est bon, là c'est. Elle est. Ah! Mais quand elle enlève ça, en telling you, tu vas comme ça, tu dis, oh Seigneur. Elle a carrément les bonbons verts qui prennent tout le côté là. C'est même pas régulier. Oh, Yahweh. Lorsqu'elle est noire comme pour moi, quand elle peine les cheveux, tu ne sais pas si on a la bonne personne au sucre à la tête. C'est-à-dire les pellicules. C'est tellement nombreux. Oh, Jesus, quelqu'un dit pitié de nous. Pitié de nous. Bien, mais tu vas assumer ça. C'est ton choix. Alléluia. Amen. C'est ton choix. C'est ton choix. Alléluia. Amen. Et ne permets pas que n'importe qui vienne critiquer ton choix. Amen. Alléluia. Très bien. Moi, tu es sûr? Oh oui. Parce que si ta soeur ou ton frère venait te dire, ah, moi je ne veux pas, tu as dit, c'est toi la sorcière. Moi, je te dis, ah, parce que celui-là, je le connais. Alléluia. Amen. Comme certains là. J'ai une de mes filles, je vais vous faire ce témoignage-là. Elle a vu une de maman, de mère, de mes enfants. Alors, si j'étais un papa cafoutier, mais elle est venue, mais oh Seigneur, mais le prophète là vraiment c'est quelqu'un de bizarre. Il a des enfants partout. Il a des enfants partout. Parce que quand on l'a vu avec mon photo, l'a posté, la maman de l'enfant a envoyé le message que oh, tu connais le type là comment? Oh non, c'est mon père. Ah, c'est le père de mon enfant. Mais là, si j'avais dit que je n'ai pas d'enfant, hein, regardez le commentaire que je devais avoir. Et elle confirme ça par quoi? Par des photos. Quelqu'un dit. Ah, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Ah, donc attention, le mariage c'est le repos. Bien-aimé, c'est le repos. C'est le repos. Alléluia. Amen. Faut pas épouser le tissage. Faut accepter. Dieu sait pourquoi il t'a donné les bonbons viennes. Il sait pourquoi il t'a donné une haleine qui est compliquée. Alléluia. Amen. C'est pas pour rien qu'il a créé le contact. L'esprit de cirage, tu as les bonbons viennes, tu commences à cirer la tête. Et tu cherches des sirènes partout, tu vas commencer à regarder la gare où il n'y en a pas. Mm-hmm. Tu vas regarder en Kembo, il n'y en a pas. Mm-hmm. Mais tu le trouves seulement que le sirène là, qui vers à Wendy. Je ne sens pas pourquoi ça va être quelqu'un dit prophète, pousse. Pousse. Alléluia. Alléluia. Amen, papa. Bien aimé, quand une personne s'appelle Koku, il faut commencer à demander déjà la délivrance. Alléluia. Là, c'est un nom chinois, mais qui a connotation chinoise. C'est ça. Quand tu entends une femme s'appeler Massia, tu sens une personne qui est dans le sissia, et tu as le sourire. Tu dis, quelqu'un dit Massia. Massia. Elle connecte. Alléluia. Amen. Faut être comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Oui. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ah oui, tu ne porteras de. Oui, voilà. Pousse. Tu ne. Convoitera point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose.
que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu. Alléluia. Amen. Vous avez entendu, hein? Voilà ce que Dieu nous a donné. Il donne ça, c'est même un conseil qu'il nous donne. Pourquoi? Parce que il sait que si tu as de la volonté et tu suis, tu vas aussi avoir ça. Alléluia. Maintenant, voici les commandements des hommes. Alléluia. Amen. Commandement des hommes. Article 1. Les politiques imposera ces lois aux églises. Article 2. La démocratie est un mot physique et non spirituel. Commandement 3. Vous payerez vos dîmes électroniquement parlant. Article 4. Nous limiterons le nombre de personnes et de cultes, dit les politiques. Alléluia. Article 5. Le mandat des dépôts est là à tout moment pour chaque homme de Dieu qui ne s'aligne pas à la dite commandement. Mandat des dépôts. Sixième commandement. L'église n'est pas essentielle pour les humains au Gabon. Septième commandement. La rencontre politique, recrutement, les marchés sont exonérés des mesures post-Covid. Huitième commandement, les cultes sont contrôlés par les politiques au degré de force et vous devez répondre Amen. Neuvième commandement, l'église dans les papiers est considérée comme association, mais pour l'État est considérée comme des entreprises. Doivent payer des impôts. Article numéro 10, commandement 10. L'État édictera les thèmes de prédication chaque dimanche. Et cela sera contrôlé par un agent de force de sécurité qui viendra faire son rapport. Voici les commandements des hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, mais vous êtes, pourquoi vous n'acclamez pas? Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Acclamez tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Alléluia. Le contraire de la Bible. Voilà le contraire de la Bible. Les 10 commandements des hommes. Alléluia. Vous allez accepter ces choses-là? Vous allez accepter qu'on humilie votre Dieu comme ça? Jamais. Et Kayabra Soteche. La foi seule apporte quoi? Le salut. Le salut. Que faut-il faire pour être sauvé? Jésus. De ses commandements, pas simplement les croire. Il faut pas seulement croire aux commandements, il faut aussi les observer, il faut les pratiquer. Alléluia. Amen. Matthieu 19, 16 à 21 dit quoi? Lisez-moi ça rapidement, s'il vous plaît. Quelqu'un commence à prêter Matthieu 19, 23, 24. Et là, nous lisons d'abord Matthieu 19, 16 à 21. Matthieu 19, 16 à 21. Il est écrit. Voici. Un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. C'est quoi, venez les lire. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Hein? Oh, encore. Tu ne commettras point d'adultère. Lui, ça dit ça. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Encore. Oh, alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Jésus peut, quand il a résumé tout ça, c'était quoi? Il a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Pour son prochain. Oh, quelqu'un dit prophète. Prophète. J'ai envie de te serrer. J'ai envie de te serrer. Et partir une fois au ciel. Et partir une fois au ciel. Goûteur. Goûteur. Avec mes enfants. Avec mes enfants. Et ma famille. La maison, papa. Les hommes riches entrera difficilement dans le royaume des cieux. Pourquoi? Lisez-moi Matthieu 19, au chapitre 23-24. Matthieu 19. 23-24. Pourquoi les hommes riches auront du mal? Alléluia.
le contraire de la Bible. Matthieu 19. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 19, à partir du verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, Jésus, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Heureusement que je suis un riche qui a Jésus. Amen. Oui. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, papa. C'est ça, faut continuer aussi. Amen. C'est ça, Amen. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ah, quelqu'un qui a la repentance, Amen. Qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Yo, faut prier pour les riches. Alléluia. Amen. Aïe. Ils doivent se repentir. Je crois que là, ça devient encore la repentance. Vous devez porter votre croix pour être le disciple de Dieu. Alléluia. Amen. Luc 14, 27 à 33. Luc 14, à partir du verset 27. Parce que si vous respectez les commandements, si vous faites ce que le Seigneur vous demande, de ce que la Bible demande de faire, voilà ce que Dieu vous demande de faire. Luc 14, à partir du verset 27, il est écrit, « Et quiconque ne portera pas sa croix... » Et quiconque ne portera pas sa croix, de croire au commandement de l'Éternel, Et ne me suit pas... Ne peut être mon disciple. Alléluia. Pour être le disciple de Jésus, il faut être un taliban. Il faut être un mon fou. Il faut être un go, c'est go. Il faut être un têtu. Il faut être une personne vraiment qui... Non, ça dit que tu le gifles, il dit, il prend même la pomme, il te donne, il dit, moi j'avance. Il faut être quelqu'un qui traumatise les gens. Alléluia. Il faut être violent. Il faut être là où on parle de la joie. Il faut être là où il y a l'amour. Il faut être là où l'expression, en principe, quand les gens sont fâchés, quand tu arrives, tu détends l'atmosphère au travers de quoi? L'onction que tu as. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Ceux qui pardonnent seront pardonnés. Alléluia. Amen. C'est seul qui pardonne, c'est-à-dire tu respectes la parole de Dieu qui demande de pardonner. Ah, quelqu'un prend Matthieu 6 au verset 14. Matthieu 6, 14. C'est là que tu parles du pardon. Toi qui as un problème de pardon. Quand vous demande de pardonner, vous ne voulez pas pardonner. Mais quand vous ne pardonnez pas, vous faites le contraire de quoi? De la parole de Dieu. Le contraire. Mais voici ce que Dieu demande de faire sur le pardon. Si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Faut pardonner. Alléluia. Amen. Les morts sont jugés selon leurs œuvres. Alléluia. Ah oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu voles une assiette, l'autre là-bas tue l'autre. Mon ami, c'est pas la même chose. C'est péché, péché. Mais il y a ce qu'on appelle le baromètre spirituel. Vous allez vivre ça au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, évangéliste. Prends-moi Apocalypse 20, versets 12 à 13. Apocalypse 20. 12 à 13. C'est beaucoup de personnes encore. Comme j'ai seulement insulté. Et tout ça, là, c'est rien. Entre celui qui a insulté, non, bien-aimé. Tout ça, c'est péché. Mais il y a le baromètre spirituel. Il y a le baromètre spirituel. Tu ne peux pas être un violeur, on ne va pas te juger en même temps que quelqu'un qui a volé un morceau de pain. C'est vol, ok. Mais au ciel, là-bas, il y a le baromètre. Parce qu'à chaque étape de grandeur, de vol ou d'impudicité, en dessous, ce qu'on appelle des enzymes de liens et de contamination. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle ici, là, les incantations. Alléluia. Les incantations naissent de là, de la valeur de ton vol ou de ton impudicité. Alléluia. Oui, lis-moi rapidement Apocalypse 20, 12 à 13. Apocalypse 20, à partir du verset 12, il est écrit. Il est écrit. Et je vis les morts. Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Deux livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leur œuvre. D'après ce qui était écrit dans ces livres, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour de mort
rendirent les morts qui étaient en eux. Mm-hmm. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Ah! Si tu as fait de bonnes œuvres, Dieu va aussi bien te juger. Amen. Si tu as fait des œuvres mauvaises, Dieu va aussi te juger. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu seras toujours hein, jugé. Alléluia. Amen. Ah! C'est ça, oh! Quelqu'un dit c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous amène encore dans le delà. Que Dieu vous favorise. Que Dieu vous a, vous décante toute situation bloquée dans vos vies. Amen. Cette semaine est la semaine de la tempérance spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Cette semaine, c'est la semaine de la tempérance spirituelle. Amen. Elle déclenche à 23h43 de ce jour. Mm. Alléluia. Amen. Bien aimé, à notre culte d'enseignement de jeudi, tu dois avoir ton bonbon prophétique. Parce que nous allons faire ce culte avec un bonbon. Alléluia. Pendant qu'il y aura le culte d'enseignement, tu devras avoir ton bonbon. Ça va aller très vite. Alléluia. Amen. Ça va aller très, 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 très vite. C'est un très bon culte d'enseignement. Bien aimé dans le Seigneur. Et vous devez être comme des jeunes. Alléluia. Amen. Parce qu'on sera en soirance. On sera jeune. Alléluia. Amen. On sera jeune. J'aurai ma casquette, je te dis déjà ça. J'aurai mes lunettes, je te dis déjà ça. Alléluia. Amen. Et toi aussi, il faut avoir aussi ta casquette. Parce que ce sera un culte prophétique. Yes. Alléluia. Yes. La tempérance spirituelle. On doit sortir de l'habitude. Où on a dit que, qui a dit que les pasteurs, lorsque vous devez venir prêcher la parole, que les vestes. Alléluia. Mm-hmm. Il faut qu'on soit dans Romains 12, 2. On doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. On doit transformer les consciences. On doit transformer les destinées afin de converger et d'arriver vers le Saint-Esprit. Amen. Soyez fortifiés, soyez bénis. J'ai béni l'Éternel pour vos vies. Priez pour le Gabon, priez pour les hommes de Dieu. Et nous bénissons aussi chaque homme de Dieu international qui prie pour nous et qui a aussi un regard vraiment assez intense pour le Gabon. Que Dieu vous rassure encore par ma voix. Que ce qui se passe au Gabon n'est pas physique, c'est spirituel. Et nous avons les réponses pour cela. Et nous sommes en train de prier le Seigneur. Et je vous annonce déjà qu'on a la victoire en tout et pour tout. Amen. Amen. Soyez bénis. Passez un très bon, une très bonne semaine. Alléluia. Amen. Un très bon début de semaine. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Et nous invitons l'évangéliste qui va certainement vous décliner l'identité de la semaine. Shalom. Shalom, shalom, merci d'être toujours connecté au ministère prophétique de la repentance. C'est mon père qui vient de passer, c'est mon père qui m'a appelé. Alors lui c'est le prophète Kero Mboso Kiferiol. Pour ceux qui ne savent pas, il est le Élisée de notre génération. Il a le manteau prophétique qu'Élisée avait en 100 ans. Et de nos jours, si tu veux croiser Élisée, c'est le prophète Kero Mboso Kiferiol. Notre programme, il est simple. C'est vrai que nous avons souvent des temps que le Seigneur suscite son programme, mais qu'à cela ne tienne, nous avons un programme, un petit programme fixe qui est le mardi, une ligne de prière au ministère à la chapelle située en ville, juste à côté d'une école primaire qu'on appelle l'Aquarelle et aussi juste derrière le cinéma Le Gabon. Alors, le mercredi, nous avons notre émission qui est souvent présentée par la sœur Bestie ou le pasteur Beko. Et le jeudi, nous avons enseignement. Nous avons un enseignement prophétique où nous recevons des codes sur la parole de Dieu. Où ce n'est pas la prédication comme ce dimanche, mais c'est l'enseignement. C'est comme à l'école, tu prends ton cahier, tu prends ton bic et si tu as des questions, tu peux envoyer une question par messagerie sur le Facebook. Alors le vendredi, nous avons un time pause. Le samedi, nous avons aussi une ligne de prière. Et le dimanche, nous avons culte d'action de grâce. Soyez bénis encore et que le Seigneur vous accompagne pendant ces temps difficiles. C'est l'évangéliste Richer du Ciel, votre humble serviteur, le ministère prophétique de la repentance. Amen. Amen.